Bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le président de la Fédération Française de Football vient tout juste de péter un câble, de péter les plombs. Nous avons tous été choqués devant les propos absolument violents de Monsieur Noël Le Graët, l'actuel président de la Fédération Française de Football, à l'encontre de Zinedine Zidane. Comment tu peux parler mal de Zinedine Zidane, l'homme qui t'a offert une Coupe du Monde le siècle dernier, en 1998, au 20e siècle, vous avez tous crié « Black, blanc, beurre !» grâce à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, joueur absolument monumental, icône, il devrait faire partie de notre patrimoine immatériel. On ne touche pas à Zinedine Zidane. Non, t'as oublié ou quoi? Éric Zemmour a voulu toucher à Zinedine Zidane. Qu'est-ce qui s'est passé? 8%. Et toi, Noël Le Graët, on te pose une question en toute détente concernant un joueur iconique de la France. Et toi, tu viens, tu nous balances que ouais, toi, tu n'as plus rien à secouer de ce que pourrait faire Zinedine Zidane, que même si Zinedine Zidane t'aurait appelé, tu n'aurais pas décroché. Mais attends, on t'a parlé de Zinedine Zidane. On t'a pas parlé de Molina. Pour ceux qui ne savent pas qui est Molina, Molina est un journaliste qui est en train de trouver des informations absolument accablantes à l'encontre de Monsieur Noël Le Graët. Donc, certains disent que Noël Le Graët, en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire génial. Alors, les affaires dans lesquelles il est trempé, mesdames et messieurs, c'est pas des affaires de Disney. Hein. C'est pas en mode, oh, that's great, oh, that's génial. Non, 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 c'est en mode, hey, that's crazy. Non, 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 non. Put this man in the prison, in jail. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans des affaires comme ça qu'il est en train de se débattre. Donc, nous, on comprend pas. On lui parle de Zinedine Zidane. Et lui, il agit comme si on lui avait parlé de Romain Molina, l'homme qui est en train de soulever tous ses dossiers, ses secrets les plus sombres. Et lui, il s'attaque à Zinedine Zidane. On t'a pas entendu parler de Molina? Et tu parles de Zinedine Zidane, l'homme qui parle le moins, qui critique le moins, qui provoque le moins. Oh, Noël Le Graët, regarde, avec ta tête, tu fais peur à tout le monde. Hein? Tu fais peur à tout le monde, à ta famille, à ta femme, à tout le monde, à tout le monde. Personne ne monte dans un ascenseur avec Noël Le Graët. Vous êtes au courant de cette information? Personne. C'est un monstre. Hein? S'il arrive, il t'attrape. C'est terminé. Il prend l'emprise sur toi. C'est démon, le démon. Démon. Démon Noël Le Graët. Tu vois? T'as vu ce prénom? Noël. Oh là là. C'est comme ça que le Père Noël, hein, il est dans des affaires sombres. Et après, il dit, bon, les enfants, si vous avez été gentils, vous aurez des cadeaux. Moi, je vous vois tout le temps. Comment ça? Un Père Noël, hein, il voit les enfants toute l'année de manière H24. N'est-ce pas une chose à vérifier? Hein? Qu'est-ce que le Père Noël, il fait là? À faire le voyeur, à regarder les enfants? Hein? Ben oui. Parce que le Noël Le Graët, il traîne dans ce genre, dans ce type d'affaires apparemment. Là, là, il y a des trucs qui ont été soulevés. Et lui, il vient mal parler de Zinedine Zidane. Doublé en 98. Hein? Il a commencé à Cannes. Hein? Ou bien, j'en sais rien là, dans le sud, dans un petit club à Cannes. On a vu ce joueur, on a dit, oulala, c'est terminé. Mesdames et messieurs, c'est ici que le foot va prendre son envol. Nous, la France, nous avons un joueur qui a une classe mondiale. Ensuite, il est parti à Bordeaux. Tout le monde était littéralement choqué. Ils ont dit, mais attends, mais c'est quoi ce joueur-là? Hein? Il est là, il parle pas beaucoup. Il a une calvitie alors qu'il est tout jeune. Regardez ce qu'il nous fait. Il est parti jouer à la Vieille Dame, à la Juventus. Hein? Qui a fait l'histoire? Qui a participé à l'histoire du grand club de la Juventus? Il était chez les Galactiques. Hein? Tu parles mal d'un ancien Avenger. Donc c'est lui, Noël Le Graët. Hein? Si Superman il existe, lui il critique Superman. Hein? Zinedine Zidane, il a joué avec Ronaldo, Luis Figo, hein? Mais t'es, David Beckham, mais t'es malade de parler mal du patrimoine humain, athlète de la France? Non, toi t'es fou.
T'es complètement malade. Alors là, tout ce qu'on a pu voir, c'est la folie interconsidérale de Noël Le Graët, et on a pu voir aussi qu'il avait clairement un problème avec le clan donc Zinedine Zidane et dommage collatéral Karim Benzema. Donc là, nous comprenons pourquoi Karim Benzema agit de la sorte, pourquoi il met des photos absolument, tu vois, où on se dit de qui il parle, on sait pas de quoi il parle. En vérité, là, on sent que si Noël Le Graët est venu et insulté Zinedine Zidane de manière comme si Zinedine Zidane, c'était lui qui lui avait donné, tu vois, la sucette. Comme si Noël Le Graët a changé les couches de Zinedine Zidane. Donc là, ça prouve bien que, en fait, oui, Karim Benzema a bien fait d'être d'être taquin mais discret. Ne pas dire des noms. Parce que là, on voit clairement que le gars, là, comment il parle? Heureusement que lui, il n'est pas au pouvoir. Hein. Sinon, Zinedine Zidane, il aurait été en prison. Vous vous rendez compte? C'est un malade, ce mec! Oh!